Au-delà des tensions idéologiques, au-delà des visions qui s'affrontent, au-delà des tentatives de réécriture, le chercheur de l'histoire endosse une grave responsabilité, notamment s'agissant de l'histoire de l'Afrique, où déchirures, discontinuités, identités deviennent des ingrédients fondamentaux. Mais alors, tout historien de tout continent est avant tout un scientifique de la déchirure. Il n'est pas le conteur d'une fable gracieuse ou des oreilles idéologiques. C'est sur une historiographie qui, par définition, est tissée de déchirures et de ruptures que se penche un historien. L'histoire de l'Afrique ne saurait en ce cas être une exception. Toutefois, l'historien doit se mettre à l'abri des combats et des visions idéologiques et doit discuter en toute naïveté et franchise des problèmes auxquels il fait face. Ousmane Gouni, chercheur en histoire, titulaire d'un doctorat d'histoire, nous fait part de la difficulté de tout chercheur africain face à ce mot de demain, l'histoire africaine. Travailler sur l'histoire économique du Tchad de 1960 à nos jours. Donc, sur l'histoire économique, je me suis spécialisé en histoire de commerce extérieur du Tchad parce que j'ai vu le commerce, c'est un élément très fondamental du développement économique. Si on parle de développement économique, il faut parler de commerce aussi. Donc, ce qui m'a beaucoup attiré sur ce sujet, premièrement, je n'ai pas vu les chercheurs tchadiens, soit en économie ou en histoire ou dans d'autres domaines, il n'y a personne, il n'y a pas d'écrit sur ce sujet, l'histoire du commerce extérieur du Tchad. Donc je me suis dit, vis-à-vis les données comme nous avons parlé, les archives qui partent, donc, je me suis lancé pour écrire l'histoire du commerce, le commerce à travers l'histoire, c'est-à-dire parce que le commerce ça s'est évolué avec les événements, avec les temps, les lieux. Donc, en tant qu'historien, je parle de commerce, mais c'est pas quelque chose beaucoup chiffré, mais je parle surtout des événements et l'impact sur le commerce. Parlant de l'histoire, l'approche essentielle, ce qui va distinguer l'histoire de la proto-histoire, c'est justement cette problématique de l'écrit. Et du moment où on parle de l'histoire de l'Afrique, c'est-à-dire une histoire où la dimension orale a une large place, est-ce que l'approche mentale même face à l'histoire change ? Si nous cherchons à voir le changement de mental, donc il faut éduquer les gens, parce que ce que j'ai vu en grosso modo, notamment au Tchad, dans le village reculé, nous ne pouvons pas trouver deux ou quatre personnes dans le village qui savent lire ou écrire. Ça c'est le problème. Donc pour vraiment changer la mentalité de ces gens, il faut éduquer et donner le plaisir vraiment de changer quelque chose. Donc, c'est difficile vraiment de manière orale et sans avoir l'intérêt de l'histoire. C'est difficile à changer la mentalité de gens. Mais comment est-ce qu'un chercheur va s'y prendre? Comment donc le chercheur va essayer de remonter le cours du fleuve? Nous ne pouvons pas, nous aussi, le nouveau chercheur, le jeune chercheur, laisser les choses comme avant. On peut croiser le bras et dire nous n'avons pas l'histoire, donc nos passés, c'est passé oral. Et aujourd'hui, avec le peu qu'on en a,
Donc, on se débrouille avec les petites sources qu'on en a pour sources écrites, surtout notamment. Donc, si aujourd'hui on commence à écrire l'histoire de l'Afrique et du Tchad, nous pouvons commencer à partir du 19e siècle, avec le contact des Européens, avec le contact du monde arabe, avec les Arabes, donc, ou avec la pénétration de l'islam dans certains pays. Nous pouvons commencer parce qu'il y a des sources écrites en arabe ou en français ou en anglais, où il y a des sources, donc les sources qui sont écrites par les Africains sur place. Ça aussi, nous ne pouvons pas trouver les sources vraiment suffisantes que nous pouvons écrire notre histoire proprement comme dans d'autres continents ou dans d'autres pays. Revenons à la question de la conscience historique Ouais. des Africains. Et ici, on va parler des Africains au sens général, sans spécifier une partie de l'Afrique ou une autre. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette conscience historique? Est-ce un peuple qui a une grande conscience de son histoire? Ou est-ce un peuple qui est amnésique de son histoire? Et par là, je voudrais te demander quel est le rapport des Africains à leur histoire eux-mêmes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un rapport de ce qui fait soi? Est-ce qu'il y a un ancrage dans l'histoire? Ou bien l'histoire est toujours quelque chose qui demeure un domaine de l'inconnu, donc il ne participe pas au présent, et que forcément l'Africain se pose en personne sans histoire. Et c'est peut-être un des mots africains qui peut-être n'est pas si visible que les autres mots, mais qui peut-être a son influence et ses perversités, comme tout autre mal qui sévit par rapport aux Africains, par rapport aux problématiques africaines, par rapport à l'Afrique tout court. Donc, le problème, comme vous venez de dire, le mot africain, donc l'histoire, ça fait une grande partie du mot africain. Parce que généralement, l'histoire africaine est écrite par les étrangers, si on peut le dire, les gens soi-disant spécialisés dans l'Afrique. Et donc, il y a quelques ouvrages écrits par les Africains, mais en général, l'histoire africaine est écrite soit par les chercheurs ou les grands chercheurs des pays arabes ou de l'Occident en général. Donc, pour les populations africaines, il n'y a pas une sentie vraiment de l'histoire, l'importance de son histoire, propre histoire aussi. Parce qu'ils ne connaissent même pas l'importance de cette histoire. Ils ne connaissent même pas la langue qui est écrite avec cette histoire. Ou dans d'autres pays de sous-région. Au Nigeria, il y avait une histoire une petite communauté, bon, je dis une petite communauté, mais c'est une grande, les Hausa par exemple. Les Hausa, ils ont une langue développée. Et ces gens, si vous le voyez par rapport aux autres communautés, c'est des gens civilisés beaucoup. Ils écoutaient la BBC en Hausa, hein, ils écoutaient la voix de l'Allemagne en Hausa, ils ont leur écrit, leur passé. Les grands royaumes qui sont passés de Sokoto ou de Kaduna, ils ont leur écrit. Les chiffres, l'alphabet, c'est en arabe, mais si tu les lis, c'est en Hausa. Tu les sens au fond. Et c'est ça qui donne vraiment l'appétit de l'histoire de ces peuples. Donc, nous, les autres qui sommes dans le pays subsaharien, nos langues ne sont pas développées. C'est ça, une question de compréhension. Et cette compréhension qui n'existe pas, donc il y a un laisser-aller, les gens ne s'intéressent pas beaucoup à leur propre histoire. C'est ça qui est le problème. Si je peux renverser l'équation, est-ce qu'il n'existe pas aussi une histoire de l'Afrique à l'encontre de l'Afrique même? C'est-à-dire, est-ce qu'au sein même de l'Afrique, il n'a pas existé autant de tiraillements, autant de tensions, autant de déni de l'histoire par les Africains contre les Africains même? C'est-à-dire, comme tout continent, il y a eu des guerres, il y a eu des rivalités, il y a eu de l'esclavage des Africains par des Africains. Il y a eu des velléités d'empire, des velléités de conquête, donc tout ce qui fait la guerre. Est-ce que donc, du point de vue maintenant de l'histoire, est-ce que ces tensions internes de l'Afrique nous empêcheraient aujourd'hui de parler d'une histoire proprement africaine, ou faut-il parler alors des histoires africaines?
car il y aura la question éventuellement de la version de l'histoire à consacrer, il y aura des débats à ce sujet, il y a des guerres intestines qui font encore rage aujourd'hui en Afrique, donc on n'est pas à l'issue d'une période où on aurait une certaine stabilité pour certaines régions, pour pouvoir parler d'une histoire au singulier. Il y avait beaucoup ici en Europe aussi au début du XIVe siècle, donc après plusieurs guerres. Mais le problème ici en Europe, comment était remédié? Et nous aussi, nous pouvons le modèle où on peut remédier les divergences entre les Africains par rapport à notre histoire. Parce qu'en Afrique, on ne peut pas qualifier ou on ne peut pas dire qu'il y a un groupe des historiens qui sont neutres, qui peuvent mettre les problématiques sans pencher de gauche ou à droite. Donc, c'est ça notre problème. Chaque personne qui savent, soi-disant, qui savent lire ou écrire, soit il est de droit ou de l'économie ou un mathématicien, il va essayer d'écrire, soi-disant, une petite histoire. Donc, les gens le prennent, une sorte d'histoire. On ne peut pas. Une histoire, normalement, doit être écrite par un historien qui connaît la méthodologie, par une personne qui n'a pas de penché de relater le fait comme il est. C'est ça, le travail d'un historien. Donc, ce genre de gens, ça nous manque beaucoup en Afrique. Et ces gens, ils nous manquent parce que donc, c'est une question de formation. On n'a pas de formation donc, adéquate qui permet aux sous-gens de faire le travail comme il le faut. Donc, il y a une sorte de déni dans l'histoire africaine. Et ça continue toujours, jusqu'à nos jours. Il y a des petites histoires dans certains pays, dans mon pays ou d'autres pays. Si vous commencez à mettre le fait comme il est, ça va vous créer, vous êtes un historien, ça va vous créer même des tensions par rapport aux autres groupes ethniques ou d'autres groupes politiques. Donc, tous les historiens africains ou tous les historiens que je les ai rencontrés, il y a une sorte de peur vis-à-vis à leur travail. J'étais dans un pays africain, donc on pensait avec un ami qui veut mettre par exemple la question de France CFA. C'est une question qui touche maintenant à tout le monde, mais en Afrique, les gens ne savent pas comment le fonctionnement de même cet mécanisme. Donc, le temps que le jeune chercheur comme moi, il cherche à mettre le sujet sur la table pour discuter, il y avait une sorte de peur partout, de gauche à droite. Donc, un historien, il n'a pas une liberté comme dans d'autres pays. Donc, tout ça, si on n'en a pas, c'est difficile à écrire notre histoire vraiment dignement et sans complexe pour expliquer l'histoire comme il est. Non, c'est un chantier qui demande beaucoup de travail, que c'est à faire beaucoup, parce que c'est quelque chose, l'histoire, c'est quelque chose de très important dans l'évolution de la société. Et donc, c'est un peuple qui ne connaît pas son histoire ou son passé, il ne peut pas construire le président ou le futur. C'est ça notre handicap. Donc, le chantier de l'histoire, c'est un chantier qui demande beaucoup, beaucoup de réflexion et qui demande beaucoup de réflexion sur ça. Et donc, cette réflexion, ça ne s'arrête pas seulement aux historiens. Tous les intellectuels, ils sont invités de mettre le paquet pour vraiment inciter ou différentes institutions d'accepter, de fouiller notre histoire et travailler. Ça, c'est une première chose. Deuxième des choses, nos sources sont vraiment dispersées, par exemple. Par exemple, sur le Tchad, j'ai vu des sources qui sont très importantes ici en France, alors que les chercheurs là-bas, ils les cherchent, ils n'ont rien sur place. Pourquoi ce problème? Donc, il faut que l'État mette les moyens pour que ces sources vraiment seront rentrées, disponible. Donc disponibles pour les chercheurs qui sont sur place, au lieu de laisser dormir ici à Aix-en-Provence ou à Paris-Nanterre. Donc il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des sources qui sont très très importantes. Et ces gens, ils n'ont pas de moyens de déplacer, de venir ici. Donc il faut que l'État réfléchisse sur que cette source vraiment sera restituée au Tchad et ça permettra donc de jeunes chercheurs comme moi, donc de travailler dignement, et ça aide vraiment pour ces pays qui sont en plein chantier, en pleine construction. Tu m'avais fait part d'un problème par rapport aux archives au Tchad, et notamment qu'à un certain moment, on pensait détruire les archives
Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il y a aujourd'hui une meilleure compréhension de ce que constitue une archive? Oui, c'est le même cas. Donc, moi, pendant mes recherches, j'étais au Tchad, dans certaines directions. J'ai posé plusieurs questions, j'ai demandé les données, notamment données statistiques, de commerce extérieur du Tchad, tout ce qui est d'exportation, d'importation, certains rapports de certains événements économiques. Donc, en partant dans différentes institutions, j'ai posé la question. On me disait, ici, nous, on détruit tous les archives après 10 ans. Et je suis resté vraiment épaté, je suis vraiment resté bouche bée, mais j'ai demandé au monsieur pourquoi vous détruisez ces archives. Il m'a parlé de c'est une question de place. De façon que les gens ne s'intéressent pas à leur histoire, ils ne savent même pas l'importance des archives. Et ça, vraiment, je trouve que vraiment, c'est pas le défaut, c'est pas cet administrateur que je l'ai rencontré, mais le problème, c'est qu'il y a un problème de fond. Un problème de fond, il faut que vraiment, dans notre système éducatif, ou dans l'enseignement secondaire ou supérieur, vraiment, d'enseigner l'histoire et donner l'importance de l'histoire. Après ça, donc, nous pouvons préserver tous nos archives. Et là, nous sommes dans une situation un peu extrême où le conservateur même pense à les détruire. Mais à part ce cas extrême, est-ce que à tous les échelons de l'éducation nationale tchadienne, est-ce qu'il y a ce laisser-aller, ce manque de conscience, ce manque de compréhension sur ce que signifie tel ou tel document, sur l'importance d'archiver? L'importance même de mettre à disposition des chercheurs certains documents qui, pour le simple fonctionnaire, pour le simple administrateur, ne constituent qu'un simple papier, que quelques papiers, quelques pages qui n'auront presque aucune valeur. Si c'est le cas, qu'est-ce que toi tu penses pouvoir faire pour changer cette situation qui, je pense, est très, très alarmante? Moi, j'ai suggéré ça beaucoup dans mes écrits aussi. Personnellement, pour archiver vraiment tout, il faut que l'État ou le gouvernement sur place prenne la disposition de mettre des locaux pour le gardien des archives. Parce que je n'attaque pas la personne qui détruit les choses. Mais pourquoi il détruit? Parce qu'il n'a pas de place ou de condition de archiver vraiment de manière adéquate et qui permettra vraiment de rester 20 ans ou 30 ans. Ou pour les archiver? C'est ça le problème, la question. Je me suis posé la question à la personne. Donc il m'avait dit où on va poser ces archives. Parce que j'ai que 20 mètres carrés, sur 20 mètres carrés, je ne peux pas archiver des archives de 50 ans ou de 30 ans. Donc je suis obligé de trier, et en triant, lui, il trie selon les années. Après 10 ans, c'est le poubelle. Donc, moi, je vois donc si l'État, c'est vrai, il travaille beaucoup dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur, mais cet élément, il faut qu'il le prenne avec beaucoup, beaucoup de considération, parce que pour construire le Tchad de demain, il faut avoir des archives. Donc, si nous ne donnons pas l'importance à ces archives, nous ne pouvons pas construire notre avenir. Donc, pour conserver ces archives, il faut donner le moyen à des gens qui travaillent sur place. Et ce moyen, donc, c'est l'État ou le bailleur de fonds qui travaille avec le Tchad qui peut mettre cette importance. Voilà. L'argument des frais, des coûts d'archivage, du budget, des ressources, compte contourner ces oppositions. Est-ce que ce serait une solution pour toi d'approcher d'autres institutions qui ne seraient pas tchadiennes ou africaines, mais peut-être françaises, vu les liens historiques entre le Tchad et la France ou d'autres pays ou d'autres institutions internationales? Oui, pourquoi pas, s'il y a une solution, ça c'est. Moi, je vois très important de m'approcher moi-même, donc
S'il y a des bailleurs qui sont prêts à nous financer dans ce domaine, et nous sommes prêts pour mener la campagne, surtout, ça ne s'arrête pas seulement au niveau de l'économie que je vais parler, mais partout, même dans le domaine de droit, domaine de santé publique, même travaux publics, il y a beaucoup, plusieurs, donc ça ne s'arrête pas seulement à un seul domaine, en histoire ou quelque chose. Pour écrire l'histoire, il faut avoir tous les archives, soit de gauche ou de droite. Et comment tu vas placer la problématique de l'économie dans une vision de l'histoire du futur? Les données, l'économie dans l'avenir, c'est-à-dire les données statistiques, c'est-à-dire du commerce extérieur du Tchad, tout ce qui est exportation, importation, ces données, si vous le prenez, vous les mettez de 1960 à nos jours, c'est des données qui parlent. Vous voyez, il y avait l'excédent, il y avait une sorte de chute, souvent il y a une sorte de stagnation. Donc, ces données, donc on se pose la question, pourquoi il y a beaucoup d'exportations, pourquoi ici il y a des importations. Donc, pour un historien, ça donne, à travers les événements qu'on parle. Par exemple, si nous prenons les données d'exportation ou d'importation en grosso modo, nous voyons dans les années 60 jusqu'à les années 70, les données statistiques, si on les met dans les graphiques, on voit une sorte d'évolution. Donc, dans les années 70 jusqu'à 82, il y a une chute. Après, à partir de 2005 jusqu'à nos jours, il y a vraiment une sorte d'évolution énorme. Donc, on se pose la question pour un historien, pourquoi ici? Donc, si nous prenons ce qui est tout proche, de 2005 jusqu'à nos jours, parce que le Tchad a commencé à exporter ses pétroles. Et cette exportation a un impact beaucoup sur le commerce. Parce que le Tchad exporte beaucoup. Donc, si on exporte beaucoup, il faut qu'on importe. Donc, j'essaie de vraiment d'expliquer à travers l'histoire toutes ces données. Donc, pour un historien, si nous prenons la période de 2005, pourquoi le pétrole est exporté a commencé à exploiter quand il est sorti, quel est l'impact sur la population, quel est l'impact sur l'impact environnemental. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est ça que mon travail, je travaille sur ce domaine-là. En tant qu'historien, est-ce que tu crois à la notion du progrès comme on l'avait défini au XIXe siècle? D'abord, cette idée construite au XIXe siècle que le sens de la civilisation humaine, c'est un sens qui est toujours en mouvement et qui va atteindre des contrées encore inexplorées. Donc, c'est toujours une marche vers l'avant, irréversible. Et aussi non cyclique, c'est-à-dire c'est une marche unidirectionnelle qui caractérise de façon générale la vision de l'homme du XXe siècle, donc la vision de l'homme qui aura encore à découvrir le monde. Est-ce que, en tant qu'historien, tu t'inscris dans cette démarche? Moi, en tant qu'historien africain, je vois, donc je m'inscris dans cette démarche parce que nous, en Afrique, selon ma vision, donc on progresse, mais lentement. Mais c'est progrès, on peut avancer, on peut évoluer. Mais arrivé à un certain moment, nous tombons peut-être dans l'impasse aussi. Ça se voit par exemple en Europe aujourd'hui, la crise qui frappe aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est venu par hasard, parce que ici en Europe, on le dit, tout est saturé déjà, parce que ne peut pas fabriquer, donc tout ce qu'ils en avaient avant, qu'ils leur donnent l'occasion d'évoluer, donc tout le monde maintenant donc dans le même chantier. Donc moi, je m'inscris pour l'Afrique, qu'on est en progrès.